Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon récap. Enfin pour mon récap lecture de ces trois derniers mois. Juin, juillet, août. J'ai regroupé ces trois mois puisque je vous ai pas fait de récap mensuel au fur et à mesure que les mois ont passé. C'est pas bien parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Heureusement j'ai lu des sagas donc du coup je peux les regrouper ensemble et vous en parler globalement au lieu de vous en parler un par un. Mais il y a quand même pas mal de choses donc je vais pas traîner plus. J'espère que vous avez prévu de quoi grignoter à côté parce que ça risque d'être un petit peu long. J'espère que ça va vous plaire, je discute pas plus, c'est parti. J'allais oublier, mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais vous dire que au mois de juillet, j'avais fait un readathon de 24 heures et du coup, les livres que j'ai lus pendant cette période, je ne vais pas vous en reparler dans cette vidéo puisque j'ai une vidéo dédiée à ça. Donc, je vous remettrai dans la barre d'infos le lien du coup de la vidéo qui est dédiée à ça. J'avais lu à savoir le premier tome de The Promised Neverland, mais ça, je vous en reparle en fin de vidéo parce que j'ai lu d'autres tomes ensuite. J'ai lu L'Arrache-Mot de Judith Bouillock, que j'ai vraiment adoré. Et j'ai lu également Riverdale, le tome 2 de Riverdale. Je crois que c'est Get Out of Town, un truc du genre, le sous-titre, que j'ai moins aimé. Mais du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets le lien en barre d'infos de cette vidéo. Et voilà, je vais pouvoir commencer. En premier, je vais vous parler de On the Come Up de Angie Thomas. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, en début d'année, j'ai eu un gros coup de cœur pour son tout premier roman, The Hate You Give. Et là, une deuxième fois, j'ai vraiment adoré. Peut-être pas autant quand même que The Hate You Give parce que je trouve que c'était vraiment un roman vraiment particulier et dont le message m'a beaucoup touchée. Mais là aussi, encore une fois, le message m'a énormément touchée, mais c'est un peu plus, un petit peu moins sérieux, on va dire, même s'il y a des sujets qui sont très sensibles et très sérieux à l'intérieur. Ça parle beaucoup de musique, de hip-hop. Le personnage principal, Star, a envie de percer dans le monde de la musique, dans le monde du hip-hop. Puisqu'elle rappe. Et du coup, c'est vraiment son histoire qu'on va suivre, le fait qu'elle va poursuivre ses rêves malgré ses conditions un peu compliquées, que ce soit au niveau de sa famille, de ce qui se passe dans son lycée. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est que ça se passe dans la même ville que l'histoire de The Hate You Give. Donc, on retrouve un petit peu des trucs qu'on connaissait déjà quand on a déjà lu son premier roman. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Et ouais, non, franchement, ça a été une très, très, très bonne lecture pour moi. J'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en anglais puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Et franchement, ça faisait un petit moment que... Enfin, au moment où je l'ai lu, ça faisait un petit moment que j'avais pas vraiment lu en anglais. Et ça m'a pas du tout dérangé. Il n'y a pas de vocabulaire hyper méga compliqué. J'ai trouvé ça assez simple, en fait. Donc, je vous le conseille vraiment si... vous débrouillez bien en anglais, que vous voulez un truc qui soit pas trop dur, parce que je pense que ce qui est le plus difficile de lire en anglais, ça va être pas mal tout ce qui va être fantastique, fantasy, science-fiction et tout. Je trouve que c'est déjà un petit level au-dessus. Donc voilà, si vous avez aimé The Hate You Give et que vous voulez vous lancer dans un autre roman de Angie Thomas, mais en anglais, je vous conseille vraiment celui-là. Ensuite, honte à moi, je l'ai lu sur liseuse parce que j'ai toujours pas les versions papier, mais là il va pas falloir que je tarde et que je les achète. J'ai lu le deuxième tome du Faiseur de rêves, qui n'est autre que La Muse des cauchemars de Lainey Taylor. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, mais... Ah, cette histoire, elle est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas Le Faiseur de rêves, je vous invite vivement du coup à checker la barre d'infos. Je vous mets les résumés de tous les livres de toute façon. Et quand je vous parle de deuxième tome, je vous mets les résumés du premier tome pour que vous ne soyez pas spoilés. Mais franchement, cette histoire, elle est juste incroyable. Du coup, c'est une saga en deux tomes, une duologie. Et moi, vraiment, j'ai été complètement happée par l'univers que Lainey Taylor a créé. C'est juste, c'est magique, c'est incroyable, les personnages sont vraiment géniaux et vraiment beaucoup de personnages, pas seulement les personnages principaux, les personnages secondaires ont vraiment genre une place importante à mes yeux aussi dans cette histoire. Et ouais, je ne sais pas quoi vous en dire de plus. Juste, c'est un de mes coups de cœur de cette année, aussi bien du coup le tome 1 que j'avais lu l'année dernière
que le tome 2 que j'ai lu cette année. Moi, je suis très contente d'avoir terminé cette saga sur cette note parce que j'ai trouvé la fin vraiment très belle et je trouve que c'est une belle fin. J'ai pas du tout été déçue. Donc voilà, si vraiment vous aimez tout ce qui est magique, vraiment un univers bien travaillé, une belle écriture, quelque chose d'assez poétique finalement même, je vous conseille vraiment cette duologie. Moi en tout cas, elle garde une grosse place dans mon cœur et je pense que je la relirai certainement, pas maintenant, hein, mais dans quelques années à mon avis parce que... ça a été un trop 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 gros coup de cœur, je pense que vous l'avez compris. Ensuite, j'ai enfin lu les Hunger Games, les trois, oui. D'ailleurs, je les ai pas lus à proprement parler puisque je les ai écoutés en audio du coup. Et j'ai trop 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 aimé parce que vraiment... Alors moi, mon premier audio, c'était Devenir de Michelle Obama et j'avais pas été très fan de la narratrice. Et là, du coup, la narratrice de Hunger Games en français, c'est celle qui fait la voix française dans les films de Katniss Everdeen. Et du coup, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et en fait, c'est pas juste genre, elle ne lit pas seulement l'histoire, vraiment, c'est raconté, je trouve. Parce qu'il y a certains narrateurs, je sais pas, ils y mettent pas vraiment les intentions et tout. Alors que là, vraiment, je trouve que les intentions, ils sont vraiment, et c'est très agréable à écouter. Et du coup voilà, je me suis fait les trois tomes. Moi j'avais toujours vu les films mais j'avais jamais lu les livres et je me suis dit qu'il fallait que je remédie à ça parce que quand même c'est une saga qu'il faut avoir lu je trouve. Et j'ai beaucoup aimé, moi de toute façon j'aime énormément les dystopies. Je connaissais déjà l'histoire évidemment suite au film mais ça faisait super longtemps que j'avais pas vu les films. Je me souvenais très bien du 1 et du 2 mais pas des deux derniers. Je me souvenais, j'avais je sais pas, vraiment des mauvais souvenirs des deux derniers films qui du coup faisaient le tome 3 en fait. Enfin, il y avait eu deux films pour le tome 3. Et du coup, ça a été un peu une redécouverte pour moi. Et d'ailleurs, à la fin de chaque tome que j'ai écouté, j'ai re-regardé les films à la suite. Comme ça, j'ai pu comparer directement après. Franchement, je trouve que les films sont plutôt bien faits. J'ai pas été trop déçue. Juste moi ce qui m'a un petit peu déçue au final c'est quand même le tome 3, je trouve que c'est le moins bien mais non, je pense que c'est vraiment une saga à avoir lu parce que je sais pas, enfin si vous aimez les dystopies et que vous avez vraiment pas lu Hunger Games encore, je vous la conseille vivement. Mon tout premier livre du mois de juillet c'était Ashes Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Matthew Gibbe et mon dieu ce livre, oh là c'est... J'avais lu le premier tome au mois de janvier, je vous en avais parlé à ce moment-là, et j'avais beaucoup aimé déjà, mais là, le deuxième tome, j'ai encore plus aimé. Je trouve que les personnages, en fait, on les découvre vraiment de plus en plus, aussi bien Ash que Sky, et vraiment, je sais pas, j'ai adoré les découvrir, et particulièrement Ash, je trouve que son personnage est tellement... Je sais pas, il est tellement intéressant, il est tellement profond et genre j'ai adoré. Surtout que du coup j'avais hâte de le lire vu la fin du tome 1. Mais on parlait de la fin du tome 1 à l'époque. Mais là, la fin du tome 2... Mais c'est quoi cette fin? J'espère que si vous l'avez lu, vous aussi vous avez eu les larmes aux yeux, que j'étais pas toute seule. Mais c'est... Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a vraiment brisé le cœur cette fin. Je vous en dis pas plus. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Et ouais, ça a été vraiment une méga bonne lecture. Je l'ai dévoré. Et si vous avez lu le tome 1, je ne peux que vivement vous recommander de lire le tome 2 parce que il est encore mieux. Donc voilà, je suis un peu triste que ce soit terminé. J'avoue que j'aimerais beaucoup... pouvoir lire une suite, hein, en savoir un petit peu plus sur ce qui pourrait éventuellement se passer après. Mais j'imagine des trucs, mais j'avoue que ça ne me dérangerait pas d'avoir une petite nouvelle pour, pas forcément du coup un roman, mais juste une petite nouvelle pour prendre des nouvelles de ce qui se passe ensuite. Ensuite, j'ai lu Everless de Sarah Holland. Celui-ci aussi, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Puisque ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment trop aimé. Ça m'a beaucoup rappelé, si jamais vous l'avez vu, le film Time Out, qui est avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est bien elle.
où c'est un système où le temps c'est de l'argent. Et là c'est exactement la même chose, d'une façon différente. Là en gros, dans cette histoire, c'est le sang en particulier qui se transforme en argent du coup. Et je sais pas comment vous raconter sans trop vous en dévoiler, mais du coup on retrouve une héroïne. Le début, je vous l'ai déjà dit, ça me fait beaucoup penser un petit peu au début de Red Queen, puisque on se retrouve avec une héroïne qui vit dans la classe des pauvres, vraiment où ils sont en galère dans leur vie, et il y a également un royaume du coup dans lequel elle va se retrouver à devoir aller travailler, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à Red Queen un petit peu au début. Bref, je vais pas vous en dire plus, mais j'espère que le peu que je vous ai dit ça vous donne envie. Franchement, je pense que si vous aimez les dystopies et si vous avez aimé le concept de Time Out, je pense que ça pourrait certainement vous plaire. Moi, je me suis acheté le tome 2 en anglais, mais je ne l'ai toujours pas lu parce qu'au début, j'avais très envie de les enchaîner. Et finalement, je me suis dit, non, il n'y a que 2 tomes, je vais être super triste en terminant. Donc, j'attends encore un peu, mais je pense qu'il ne va pas rester dans ma palle si longtemps que ça. Ensuite, j'ai enfin commencé la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Vous savez à quel point j'ai adoré Vicious de la même auteure. Et d'ailleurs, le deuxième tome en français sort au mois d'octobre chez Lumen et j'ai très hâte. La couverture a été dévoilée il y a peu de temps, elle est juste magnifique. Alors là, j'ai trop trop hâte. Bref, parlons de Shades of Magic, j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. J'avais entendu des avis un petit peu négatifs sur le deuxième tome. Et en fait, moi, j'ai pas trop ressenti les avis négatifs, ceux qui avaient été dits, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Mais du coup, ouais, pareil, j'ai commencé le tome 3, mais pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que ça faisait trop de Shades of Magic d'un coup. J'avais besoin de faire une pause et je le reprendrai plus tard, une fois que voilà, j'aurai un petit peu digéré les deux premiers tomes. Mais en tout cas, j'aime trop, les personnages sont juste géniaux. Kel et Lila, je les adore. Je veux pas vous parler de tous les personnages, mais il y en a beaucoup que j'adore. Et au-delà de ça, j'ai adoré le fait que ça se passe à Londres, et dans plusieurs Londres d'ailleurs, parce que du coup, on retrouve le Londres gris, qui est le Londres que nous, en tant que personnes normales, on connaît aujourd'hui. Genre là, on va à Londres, c'est ce Londres-là, mais quelques années avant quand même, puisque ça se passe pas à la même époque que nous. Et il y a d'autres Londres, donc il y a le Londres de Lila qui est le Londres gris, le Londres de Kel qui est le Londres rouge, le Londres de Hollande qui est le Londres blanc, et il y a le Londres noir qui n'existe plus normalement. Et voilà, et j'ai trop aimé parce que du coup, comme c'est une de mes villes préférées, c'est, je pense, ma ville préférée en Europe, dans laquelle je me sens toujours aussi bien à chaque fois que j'y vais. Bah voilà, et j'avais lu le premier tome avant de partir à Londres cet été, et du coup, je m'imaginais des trucs dans ma tête quand j'étais là-bas, je vous raconte même pas. D'ailleurs, je crois que le tome 3 n'est pas le dernier, hein. Il me semble qu'il y a un quatrième tome qui est prévu, mais je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, je suis même pas sûre que l'auteur elle travaillait sur ce projet-là en ce moment. En tout cas, quand j'aurai lu le tome 3, je vous en reparlerai. Ensuite, au mois d'août, j'ai participé aux 7 jours 7 livres que j'avais organisés avec le club de lecture, et les 4 prochains livres dont je vais vous parler font partie des 7 livres que j'ai lus pour ce challenge. En premier, je vous parle rapidement de La quête d'Ewilan, le premier tome d'un à l'autre de Pierre Bottero. Et comment vous dire que j'ai été super déçue. Alors je sais, si vous aimez cette saga, vous l'avez très probablement lu d'ailleurs quand vous étiez jeune, et moi j'avais jamais eu l'occasion de la lire quand j'étais plus jeune. Je l'ai lu seulement maintenant et je regrette vraiment beaucoup parce que c'est trop jeunesse, c'est beaucoup trop jeunesse pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, j'aurais préféré le lire il y a 10-15 ans de ça, quoi. Parce que, ouais, je sais pas, l'écriture m'a pas vraiment plu. On m'en avait dit beaucoup de bien, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le personnage principal, je la déteste.
C'est simple. C'est difficile de lire un livre quand on déteste le personnage principal. Je pensais avoir atteint un niveau comme ça avec Mère Barrow de Red Queen, mais je la déteste pas autant que Camille. Il y a son pote dedans, je trouve que c'est trop dommage parce que il passe vraiment pour l'enfant qui est pas très mature et tout, qui tape un peu des crises, tout ça, alors que bah il méritait mieux, parce que en soi son personnage à la base me dérangeait pas, mais je trouve ça un peu dommage. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre dessus? Bah moi le seul personnage qui m'intriguait vraiment beaucoup c'est Elana, on l'a pas vu beaucoup. Je sais qu'il y a une trilogie qui est consacrée à elle uniquement et je pense que je vais tenter de la lire parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était beaucoup moins jeunesse que la quête des Willan. Donc je pense que je vais lui donner une chance, mais en tout cas moi c'est clair et net que je ne continuerai pas la quête des Willan et les mondes des Willan non plus. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne lirai que Elana. Je donnerai sa chance en tout cas. Et j'espère que ça me plaira. Dites-moi si vous avez déjà lu du coup Elana. Je crois que ça s'appelle Le Pacte des Marchombres, il me semble. Donc dites-moi si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé en comparaison aussi avec la quête des Willan, si c'était moins jeunesse, si c'était un peu plus mature et tout. Parce que moi là concrètement, ce livre n'était pas pour moi tout simplement. Ensuite, j'ai lu Love, Simon de Becky Albertalli et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas aimé autant que j'aurais voulu l'aimer parce que c'était une bonne lecture, hein, c'était vraiment très sympa à lire, mais je m'attendais à aimer encore plus. Et ce livre-là, enfin, j'avais jamais vu le film et je voulais absolument le lire avant de voir le film. Et du coup, c'est ce que j'ai fait le lendemain de ma lecture. J'ai regardé le film Love, Simon. Et franchement, le film, c'est rare hein, que je pense ce genre de choses. Dites-vous bien, souvent les livres sont meilleurs. Mais là, moi, j'ai trouvé que le film était vraiment, mais bien meilleur que le livre. Donc, je vous conseillerais quand même de le lire parce qu'il est très cool. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Mais à choisir là entre les deux, je re-regarderai le film avec plaisir, mais je ne relirai pas le livre. Ensuite, j'ai lu Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Donc celui-ci, c'est celui qui fait vraiment partie de la bibliothèque de Poudlard avec le livre sur le Quidditch et le livre sur les contes. C'est pas du tout du coup le scénario, le script du film Les Animaux Fantastiques. Là, on retrouve en fait plein d'infos du coup sur les animaux fantastiques. Donc il y en a qu'on connaît déjà, il y en a qu'on connaît pas et on apprend vraiment beaucoup de choses. C'était sympa à lire, mais après, voilà, c'est quand même... je pense que c'est plus le genre de truc qu'on lit pas forcément tout d'un coup, mais dont on lit une petite fiche chaque jour par exemple, puisque du coup il y a des fiches pour chacun des animaux fantastiques. Et par contre, j'aimerais beaucoup avoir le coffret du coup de la bibliothèque de Poudlard avec les trois livres, mais j'ai vu qu'il existait une édition des animaux fantastiques illustrée, et du coup, mon dieu, mais les pages sont incroyables. J'essaierai de vous laisser le lien du livre si je le trouve, mais j'ai vu des extraits la dernière fois, je sais plus où c'était, peut-être sur Google, je ne sais plus, mais genre la version illustrée est juste magnifique. Je crois qu'elle est même pas sortie en français, il me semble qu'elle n'est qu'en anglais, mais c'est incroyable parce que du coup bah il y a plein d'illustrations des animaux et je pense que ça doit être encore plus agréable à regarder et à lire de cette façon. Ensuite, j'ai lu La tête sous l'eau de Olivier Adam. Là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que c'est honnêtement un livre que je n'aurais pas pris moi-même entre mes mains si j'avais choisi le livre dans une librairie ou dans une bibliothèque. Et je suis contente qu'on l'ait mis entre mes mains puisque j'ai pas été déçue du tout. Ça a été une très belle surprise pour moi. Je l'ai dévoré. Franchement, je m'attendais pas autant à l'aimer. Je l'ai lu du coup dans le cadre du 7 jours 7 livres aussi, celui-ci. Et franchement, bah ouais, je regrette pas de l'avoir lu à ce moment-là parce que du coup, c'était vraiment l'occasion de le lire comme il était pas très très gros. Et je sais pas quand est-ce que je l'aurais lu en fait, sinon je le laissais un petit peu traîner dans ma palle. Et là, comme il était pas énorme, je me dis, ouais, ça va bien se lire ça pendant le 7 jours 7 livres.
et j'ai vraiment bien fait. En fait, si vous voulez, dans ce livre, on suit l'histoire d'une famille qui a vécu un drame. Tout au long du livre, du coup, le narrateur, c'est le frère de sa sœur qui a disparu et qui est retrouvée. Et en fait, bah, on découvre que pendant qu'elle a été portée disparue, en gros, elle avait été enlevée, qu'elle a subi des choses, forcément, elle a subi un traumatisme. Et franchement, c'est perturbant parce que c'est rare que je lise des livres où le narrateur à la première personne est un garçon. J'ai plus l'habitude de personnages féminins. Et c'était intéressant en fait de vraiment découvrir la sensibilité du personnage qui était masculin et de voir les choses à travers ses yeux. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et au-delà de ça, c'est vraiment genre, enfin, à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir la suite, de savoir ce qui s'est passé, comment l'enquête évolue, etc. Du coup, on retrouve aussi vraiment ce côté enquête que j'ai beaucoup aimé et ça m'a étonnée de autant aimer. J'ai vraiment trop trop aimé, je sais pas quoi vous en dire de plus. Si vous aimez ce genre d'histoire là que je suis en train de vous raconter, je vous le conseille vivement parce que il était vraiment très beau. C'était des fois un peu dur, c'était assez poignant, triste, mais c'était beau. J'ai passé un très très bon moment de lecture et je regrette vraiment pas de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment le cul entre deux chaises à propos de ce livre. Je sais pas comment dire d'autre. Désolée pour cette expression, mais je ne sais pas où me placer. Parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment aimées, que j'ai vraiment appréciées dans ce livre, et des choses que j'ai totalement détestées. Surtout une chose en particulier, en fait. Ce qui m'a plu, c'est vraiment de me retrouver au Japon. Ça, j'ai adoré. Surtout que tout au long du texte, on retrouve beaucoup de mots japonais qui sont expliqués en plus en bas de page pour la plupart. Donc on apprend en même temps qu'on lit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis au-delà de ça, j'ai vraiment retrouvé cet univers que je retrouve quand je lis des fois des mangas, quand je regarde des animes. D'ailleurs, ce livre m'a beaucoup beaucoup fait penser à un anime en particulier. J'ai plus le nom en tête, mais j'essaierai de vous mettre une capture d'écran de l'affiche de l'anime, où je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais je trouve pas. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. C'est un anime qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, qui parlait d'une petite fille aussi qui était décédée. Et là, ça parle aussi d'une fille qui est décédée et dont un des enfants de son entourage voit le fantôme tout le temps. Et là, c'est clairement ça aussi. Il y a un des petits garçons qui voit le fantôme de son ami, enfin de la fille dont il était amoureux en tout cas. En soi, il y avait des choses dans cette histoire qui étaient vraiment jolies, malgré que c'était un peu what the fuck, puisque de toute façon une fable surréaliste, c'est forcément un peu bizarre. Mais moi, ce qui m'a choquée, ça a été la violence animale qui a été évoquée à plusieurs reprises dans le roman. Et ça m'a dérangée, ça m'a fait mal au cœur, je dois l'avouer. Si ça vous fait peur, je vous recommande pas. Si ça vous fait pas peur et que vous pensez pouvoir passer outre, foncez, parce que c'est vraiment très bien écrit. Il y a aussi une scène clairement de viol, mais qui est tellement faite en métaphore que, genre, je sais pas, c'était malgré tout beau à lire, il faut le dire. Mais c'est assez perturbant. Et voilà. Mais franchement, c'était très 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 bien écrit. Je le redis comme je l'ai dit au début, j'ai le cul entre deux chaises parce qu'il y a des choses que j'ai adorées et des choses que j'ai détestées dans ce livre. Et une autre chose que j'ai adorée aussi, c'est la couverture, parce que franchement, faut l'avouer, hein, il est juste magnifique. Genre, que ce soit le dos, la quatrième de couverture ou la couverture, il est sublime. J'en ai fini avec tout ce qui est roman et je passe au manga, puisque je vous en avais parlé il y a un petit moment, je pense maintenant, mais j'avais lu le tome 1 et le tome 2 de l'Atelier des sorciers et j'ai lu depuis le tome 3 et le tome 4. J'adore toujours autant cette saga, c'est vraiment
génial. J'adore toujours autant la façon de faire la magie. J'aime énormément aussi les personnages. Les illustrations sont beaucoup trop belles. Et le tome 5 sort au mois d'octobre, il me semble. Donc j'ai trop trop hâte de lire la suite. Et je termine avec la saga The Promised Neverland. J'ai lu les 6 premiers tomes de la saga. Il m'en reste 3 pour l'instant. Mais j'ai toujours pas lu la suite parce que j'ai envie de faire durer un petit peu le suspense et surtout le plaisir. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ce manga. J'aime tout en fait. J'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'aime toutes les actions qui se passent au fur et à mesure. Genre ça me surprend et j'adore être surprise. Et ouais, je m'ennuie jamais en les lisant, ils sont vraiment trop trop bien. Je vous mettrai le résumé en barre d'infos parce que je sais vraiment pas trop comment vous expliquer ça. Ou soit je peux peut-être vous lire le résumé du premier tome si ça vous tente. Je pense que je vais faire ça, je vais vous lire le résumé du premier tome. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de « maman », c'est vraiment entre guillemets, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si ce petit résumé vous donne envie, mais franchement, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lus. Je sais que l'anime existe aussi, mais j'attends encore d'avancer un petit peu dans mes lectures pour regarder l'anime. Mais ouais, franchement, c'est génial. Je suis trop contente d'avoir commencé cette saga. Elle vaut vraiment le coup. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec mes lectures de ces 3 derniers mois. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de choses à rattraper. Je suis contente de l'avoir fait parce que là, je me sens mieux. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, est-ce que, je sais pas si on en a déjà parlé, si je vous en ai déjà parlé, j'ai un doute. Mais je voulais savoir si ça pourrait vous intéresser que je reprenne vraiment mon blog, parce que pour l'instant mon blog est un petit peu à l'abandon, ça fait longtemps que j'ai pas trop parlé dessus. C'est vrai qu'à l'époque je parlais de mode, de beauté, d'ongles, de voyage, enfin de plein de choses, mais je me disais, est-ce que je ne pourrais pas commencer à me mettre à faire des petites reviews qui pourraient peut-être bien compléter du coup les vidéos que je fais de lecture sur YouTube. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser de lire ça sur mon blog, parce que je me posais vraiment la question et je pense que ça pourrait me plaire de faire ça. Du coup, on est tout bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel livre vous avez déjà lu, s'il y en a qui vous tente, ce que vous avez lu cet été. Et voilà, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!